Robert Landori. Robert Landori, who is a phenomenal person who speaks many languages. He has a very secretive past, and he has written two spy thrillers, international spy thrillers. And both of these authors will be reading a little bit from their books in a few moments. Donc, on a avec nous, okay, comme disait Nancy, André Babi, entre autres, qui a publié Le Pape juif, c'est bien ça? Non, c'est La danse des évêques. La danse des évêques. Qui sera suivi éventuellement par le Pape juif. Le Pape juif qui viendra. C'est ça. Donc, c'est une primeur pour nos auditeurs, le livre de Monsieur Babi qui n'est pas encore publié, mais à venir. Et on a avec nous Monsieur Robert Landori, c'est bien cela, auteur entre autres de Havana Harvest, c'est bien ça, et d'un paquet d'autres livres. Monsieur, ces deux messieurs ont une vie riche et pleine, et se sont donc quelque part impliqués dans le roman policier. Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Un pur accident. Un accident de parcours. Ma blonde me disait, si tu es tellement intelligent, si tu es toujours après moi pour lire quelque chose d'intéressant, écris-moi donc un livre. Et j'ai fait ça. Dans un an, j'ai produit mon premier roman comme un défi. Point à la ligne. Mais si on regarde, est-ce que vous considérez, parce qu'il y a plusieurs styles, ok, dans le roman policier, évidemment, ok, on appelle le roman policier le polar, le roman noir, le suspense, le thriller. Il y a même aucun paquet de genres hybrides là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes I don't do that. What I do is I write international espionage thrillers. A thriller, ok. I write thrillers, which usually take place all over the world. But the last one is Havana Harvest. The first one was called Fatal Greed. But Havana Harvest is based on a true story about a general in the Cuban army, whom my very good friend, Mr. Fidel Castro, whom I knew personally, and his brother killed. They condemned him to death and to get shot. Alors, Monsieur Landori parlait entre autres de son livre, Havana Harvest, qui est basé sur une vraie histoire, mais remanié à sa manière pour le rendre encore plus intéressant. Donc, on a des conteurs avec nous ce matin, au Compte à rendre, sur 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Et Nancy, tu permettais que je parle à... Certainement. Bon, André Babi, oui. Dont le premier livre vient de sortir. D'où vient cette piqûre du roman policier? André, c'est à la suite de mes lectures. J'ai toujours... beaucoup aimé le genre thriller. Et j'ai lu beaucoup en anglais. Donc, j'ai lu les Ludlum, j'ai lu les Dan Brown, j'ai lu avant ça Graham Greene. Et ça a meublé mon imaginaire. Alors, lorsque j'ai pris ma retraite en tant qu'avocat, parce que je suis un avocat recyclé, n'est-ce pas? On recycle tout, même les avocats, ces jours-ci. Alors, j'ai décidé de mettre mon projet à exécution. Et puis, j'ai commencé en 2005 à écrire mon premier roman, exactement, le thriller La danse des évêques. Alors, c'est de mes lectures qui ont nourri mon imaginaire et qui m'ont amené vers le genre thriller. Si on regardait autrement le thriller, est-ce que quelque part, si vous êtes des gens qui ont voyagé, qui en ont vu des choses hein, à ce moment-là, est-ce que c'est des expériences personnelles? Oui, absolument. Alors, dans la danse des évêques, il y a aussi mes expériences en tant qu'avocat. Moi, j'ai été avocat pour une société suisse. Sur le plan international, j'ai beaucoup voyagé, un peu comme Robert déjà, d'ailleurs aussi. Alors, c'est beaucoup ça aussi, mes expériences quelquefois inédites. J'en ai trouvé et puis je les ai insérées dans la trame du roman, pourquoi pas. Alors, mes voyages aussi, j'ai voyagé à travers l'Europe. Alors, c'est pour ça aussi que la trame se passe principalement en Europe, dans la danse des évêques. Et justement, l'action commence en Suisse. Alors, il y a un meurtre qui se passe en Suisse, un meurtre assez horrible. Et de là, l'histoire part. Sauf qu'il ne faudrait pas vendre la mèche. Non, hein, pour les auditeurs, ceux qui veulent lire le livre, on parlera de ça, de ces détails après. Ceux qui jamais veulent le lire, veulent le prendre. On donnera les petits détails à la fin de l'entrevue. Hein? Oui, c'est ça. Bon. André is absolutely right, you know. We all, when we write these books, base ourselves very deeply
on personal experiences. André worked as a lawyer, and he traveled widely. I used to be a public accountant, believe it or not, and I traveled widely. But if you go to my website, www.robertlandori.com, you'll find that I've done all kinds of bad things. And consequently, you will find that I have been able to get inside information about things that were not generally known. As I have said to you, was not an intimate, but a friend of Fidel Castro and Raul Castro and Che Guevara. And I went back and forth between Montreal and Cuba for a period of about 8 years. In fact, I was in prison in Cuba. Ce que M. Landori disait, c'est que sa vie, comme celle d'André Babi, est presque aussi passionnante que les livres qu'ils écrivent. Donc, M. Landori a connu Fidel Castro, Che Guevara, ainsi que tout son entourage à Cuba, et a vécu un certain nombre d'aventures là-bas. Peut-être qu'il pourra donc, à ce moment-là, partager avec vous à travers ses livres. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Havana Harvest est un petit morceau, une parcelle de M. Landori, et le livre de M. Babi en est... La danse des évêques. La danse des évêques en est un autre. Oui. Si on parlait des Arthur Lys Award, alors, Nancy, OK? La semaine prochaine, à ce moment-là, les nominés, donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, les gens qui sont nominés pour le prix du Artist of the Award dans les différentes catégories? Premièrement, okay. Explique-nous comment une personne peut être nominée et comment le choix se fait. OK. Maybe I should just talk about, this year there were between 125 and 150 entries to the Arthur Ellis Awards. And if somebody wants to submit, if they've written a book in French or English that has a crime theme or a mystery theme or a thriller theme, they can submit it in, it's the end of October, I believe. You go to the website in October and you find out when to submit your book for the following year. So if your book is published in 2011, you should be able to submit it by the end of 2011 for the 2012 awards. The rules will be published on the site www.crimewriterscanada.com in October, and everybody will have directions for that year. Now, there's seven categories of winners. There's the best crime novel, best first novel, best French language crime novel, best juvenile or youth crime book, best crime nonfiction, and best crime short story. There's also an award for those who haven't published their manuscript but may have one as the best unpublished manuscript. Ce que Nancy nous parle au niveau des catégories, nous avons à ce moment-ci, entre autres, la meilleure nouvelle de crime, la nouvelle... première. Nouvelle texte. Best crime novel, donc le meilleur roman policier, le meilleur premier roman, le meilleur premier roman criminel francophone, le meilleur livre juvénile de policier. Le meilleur livre policier non-fiction. Oui. Et la meilleure... La meilleure nouvelle policière. Oui. Oui, et aussi la short story en français, je ne sais pas. Mais... Oui, OK. André Babi et M. Landori sont cette année encore nominés. André, c'est pour le premier... Pour la première année. Premier roman français. Monsieur Landori, OK. Donc, c'est pas sa première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Qui pensez-vous avoir gagné? C'est un grand secret, ça. Ça, on le saura seulement. That is a real secret. Oh, if people want to find out who are the finalists, there's a special event on Thursday, April 28th. Dans chaque category, in each category, there'll be five finalists. So in each of the previously named categories, there's going to be five finalists. And they will be announced. These names are all kept in secret. The judges have just finished selecting who the five are. And so we will be announcing them at a public event. Actually, it will be in the West Island
in Point Claire Public Library. Nancy, j'ai cru comprendre que ces auteurs ont eu la gentillesse de bien vouloir peut-être lire quelques parties de leur texte. Oui. Oui, ça me fait plaisir. On commence par. If you're very, very kind to me, yes, I might consider it. Do you charge for reading, public readings? No, I don't charge. I just enjoy myself. Vous pouvez commencer, si vous voulez. Oui. Permettez-vous? Non. Oui. Allez-y. Entrez. Sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, M. André Babi. Le lendemain matin, Karen s'éveilla, s'étira sous la couette, puis s'empressa d'ouvrir la fenêtre de sa chambre. Elle se sentait en bonne forme malgré les excès de la veille. Elle se pencha vers l'extérieur, respira profondément, protégeant ses yeux de l'éblouissement du soleil matinal sur la blancheur des cimes enneigées. Sublime, pensa-t-elle. Une autre journée splendide s'annonçait. Oublier les collègues insignifiants, les classes monotones, le loyer ne pas payé, la vie sexuelle sans éclat, tout se dissipait comme par magie dans la fraîcheur de l'air alpin. Rien n'importait plus que la montagne. Après un rapide petit déjeuner, pressé de profiter des pistes peu fréquentées tôt le matin, Karen enfila sa veste couleur rouge délavée, prit ses skis de location et se dirigea vers l'express alpin. Comme elle approchait de l'entrée du téléphérique, le cri strident d'une ambulance vint interrompre le silence fragile du début de la journée. Un accident, déjà, surprenant. Elle s'approcha de l'escalier menant vers la télébène et fut surprise de ne pas voir la queue habituelle de skieurs en attente. Plutôt, une foule compacte s'était formée, rassemblée autour d'un objet accroché au câble de la remontée mécanique. Elle s'arrêta, stupéfaite. L'objet qui suscitait tant d'intérêt était un homme, ligoté et pendu au câble par les poignets et les bras, en un grotesque simulacre de crucifixion, nu à l'exception d'un pagne, sa bouche bâillonnée d'un ruban adhésif. Il avait les jambes attachées et comme elle s'avança, elle put voir sur son visage ses yeux implorants, à jamais fixé par l'agonie. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, un petit glaçon pendait sur le bout de son nez, sa peau avait pris une teinte grise, translucide. En biais, sur son flanc droit, une mince entaille était perceptible. Un filet de sang séché maculant son torse et sa jambe s'était déjà échappé et créait une flaque sombre sur la neige poudreuse. Quelque chose pendait à son cou, trop loin pour être identifié. Karen restait là, tétanisée à la vue de l'horrible spectacle. Elle jeta un coup d'œil interrogateur à la ronde vers les skieurs qui l'entouraient. « C'est impossible, c'est pas vrai, on n'est pas assassiné à sa fille. » Hélas, l'air triste mais teinté de curiosité morbide de son voisin vint vite lui prouver le contraire. Elle essaya de se détourner de la scène, mais en vain. « Est-il ?» demanda-t-elle. « Ya, mort !» répondit l'homme. « Mon Dieu !» L'homme resta muet. Un des préposés à l'entretien, penché sur une échelle, commençait à défaire les liens qui maintenaient les bras de la victime au câble. Deux patrouilleurs fermèrent les lieux à l'aide de barrières métalliques, repoussant vers l'extérieur du périmètre les curieux qui demeuraient là, les yeux rivés à la victime. Quelques instants plus tard, un skieur japonais filmait la descente du corps, décrivant à voix basse la macabre procédure. Karen frissonna. Elle sentit les relents de son petit jogging lui monter à la gorge. Elle lâcha ses skis, s'écrasa sur les marches et fit appel à toute sa volonté pour ne pas vomir. Pas question de monter dans un téléphérique aujourd'hui. Lentement, les nausées se dissipèrent et c'est à contre-cœur, ses skis sur les épaules, qu'elle reprit le chemin de l'hôtel. D'esprit accablé, elle ne remarqua pas deux d'hommes, un vêtu d'une parka de peau de phoque, qui traînaient leurs valises par les rues étroites du village. Soudain, ce fut comme si toute l'excitation joyeuse liée à la descente avait disparu, car on avait profané le site idyllique. La mort cruelle d'un homme avait crevé la bulle hédoniste dans laquelle elle avait trouvé refuge. Pour Karen Dawson, la magie de sa fille n'existait plus. Bravo. Merci infiniment. C'était donc André Babi qui nous a lu un extrait du livre La danse des évêques. Merci infiniment. Bon, juste au redonner pour nos auditeurs, ne pas oublier que la semaine prochaine, jeudi, sera dévoilé les finalistes pour le Arturis Award et le site internet www.crimewriterscanada.com. Nous avons avec nous M. Robert Landori, comme tout bon conteur, va répondre donc au texte de M. Mabie. Nous vous écoutons. I would like to read you a little extract from my book, which is called Havana Harvest, a story about a Cuban general
whom Fidel Castro tried and later had executed for having become perhaps a little bit too popular. This is on Christmas Eve in December, obviously, in Havana, Cuba. General Patricio Casas had reached the lowest point of his life, Christmas Eve in jail, far from family and friends, accused of high treason. He continued pacing up and down in his cell, 7 steps from window to steel door, and 7 steps back. What window? 3 ventilating slits that allowed some light and some sound to enter the room, but were angled so that he couldn't see out. He could hear the noise in the courtyard that he couldn't see. He could smell the smoke rising from a cooking fire, probably tended by guards. His cell measured 18 feet by 6. There was no furniture, aside from a steel-framed wooden bunk that folded down from the wall, held in position by a chain at each end. A wall at the foot of the bunk and equal in width to it separated the so-called bathroom from the sleeping area. The toilet was a hole in the ground. Above it, a tap, the end of a piece of pipe that did double duty as shower and toilet flusher. They had taken his clothes, except his underpants and loafers, and had given him beige prison overalls to wear. A toothbrush, a bar of soap, and a towel made up all the rest of his possessions. There was no bedding, just a well-used quilt for cover. His shoes served for pillows while he slept on his stomach. Arms folded under his chest, he would wake up several times during the night from the pain caused by the lack of blood circulation. The food was barely adequate. 4 ounces of bread in the morning, for lunch some pasta, at times sprinkled with a little bit of meat, with the occasional slice of avocado thrown in to prevent scurvy, and 3 large soda biscuits for dinner. Casas had always been very fit and wiry, with not a single ounce of superfluous fat on his bony frame. Because in prison he had continued his disciplined regime of daily exercise, consisting of 30 minutes running in place followed by calisthenics, and then 50 push-ups, he had begun to lose weight and was starting to look emaciated. Nor were his appearance and mental conditions helped by the lack of sleep and the endless and repetitive questioning to which he was subjected almost daily. He felt alone in the world, in semi-darkness, when in his cell, isolated between interrogation sessions and surrounded by guards who would not speak to him. He never saw his fellow inmates, even when they took him and them out for questioning. The guard accompanying him would whistle tunelessly, and on hearing the tuneless whistling of another guard-prisoner combination, would push Casas's face into the nearest corner, nose against the wall, while the other prisoner passed behind his back. Because Casas was right-handed, his guards always stood to the left of him, just in case. Nor did they wear sidearms. If a prisoner wanted to make a run for it, they would let him. The cell blocks were sealed by steel grills at each end, and there was no way out. It seemed to Casas that his cell was getting colder as the days went by. Then he realized that this was only an illusion. It only felt that way because he was losing weight, not sleeping, worrying, and afraid of dying. Dying for nothing. Dying would prevent him from defending himself against the accusation that as a CIA agent, he was working to destroy the revolution and Cuba's fatherland. He had no idea what was being said about him by the common people in the street. The authorities had allowed him no contact with his family, and the lawyer appointed to defend him had been given permission to speak with him only once, 2 weeks after his arrest. The guard rapped on his door. "Prisoner 2704, step away from the door." He did, and to his surprise, the door swung open.
The guard deposited an open paper box on the floor just inside the cell. It is from your mother. Feliz Navidad. The solid metal door clanged shut. Un grand merci. C'était donc une lecture de Robert Landori. Et nous avons donc auteur de Havana Harvest. Et nous avons aussi le plaisir d'entendre André Babi qui nous a lu un extrait de son livre La danse des évêques. Chers amis, si vous me permettez, j'aimerais, pour nos auditeurs, si les gens veulent avoir un peu plus sur vous, votre site internet, Monsieur Landori. My website is www.robertlandori, one word, robertlandori.com. Robert Landori, Robert Landori, LANDORI.com. Donc, pour le monde, Monsieur Landori, toutes ses aventures. Oubliez pas que un peu de ses livres, c'est un peu de sa vie. Donc, et pour Monsieur André Babi. Mon site web, c'est www.andrekababi.com. Alors, vous y trouverez justement plus de renseignements sur la danse des évêques, ainsi que ma biographie, et des commentaires des lecteurs. Les commentaires des lecteurs, c'est important. On, en tant qu'auteur, on a besoin justement de ce qu'on appelle un feedback pour voir si on est dans la bonne direction et si les lecteurs apprécient nos écritures. Alors, donc, c'est disponible sur mon website. Ne pas oublier aussi que la semaine prochaine, les finalistes pour le Arthur Ellis Award vont être officiellement nommé donc le jeudi 28 à partir de 7h. Vous allez donc sur le site www.crimewriterscanada.com. Merci infiniment, messieurs, madame, d'être venus ce matin. C'est Marc-André Lavoie qui donc vous souhaite un bon matin. Nous passons donc à notre prochaine chronique avec monsieur Norbert Spener. Merci. Merci beaucoup à Marc-André. Ouais. Monsieur Spener, donc, va faire une suite à ceci et nous définir le marché québécois du roman policier. Les comptes à rendre, les comptes à rendre. Le vaisseau d'or de Émile Néliga, lu par Yvon Jean. Le vaisseau d'or.